Et salut à tous, donc on se retrouve pour pour continuer la suite du Tour de l'Europe avec Baptiste. Salut. Donc on part de, d'accord, c'est même pas de qu'on part, J'ai voilà, à Holstein. Donc on va y aller. Là, c'est un peu trop à faire. Et il y a 165 km. On m'a toujours dit que c'était plus pratique de partir avec un camion en bleu. Ouais, mais aujourd'hui je suis le maître du feu. Bah, les épisodes d'avant aussi. Tous les feux rouges, ils deviennent orange et ils deviennent verts. Mais si le mec il a failli te rentrer dedans, au carrefour. Non, il l'a freiné. Au début, de toute façon, son clignotant il tournait à gauche, tournait à gauche. Donc on tournait pas du même côté, mais au final il l'a fait. Parce qu'il m'aurait rentré dedans, j'aurais rentré dedans, il l'aurait fermé. Salut poteau en Volvo. Encore une remorque qui a pas de texture. Je le voyais, le Scania, là, il voulait commencer à avancer. Putain, c'est limité à 50! Il est parti au fer, au vert. Ouais, mais il commence à avancer, je le voyais. J'ai Bon, pensé bah que voilà, on se retrouve déjà en mode PLS. le feu, il était... On voit que Volvo a des bons freins. Et aussi des bons pilotes. Bon, t'as pas intérêt à lâcher tes 11 pieds du frein parce que je vais t'en foutre une. Tu veux questionner un truc? J'ai pas le pied sans le frein. Ouais, bah C'est là le t'as frein de vitesse dans le porte. plancher. Mais j'avais une vitesse dans le plancher et j'avais mis le frein de parking. J'avais vu de loin le orange, je pensais que tu serais passé au orange et que... J'aurais pu freiner plus tard, mais non. Voilà, on est encore bloqué à... Yes, 70! On monte. C'est bon, j'étais déjà paumé. Je te Tu vois pas dois pas dans le être à rétro. 70, hein. Quoi? Tu dois pas être à 70. Ah, je suis à 70. Je suis à 75. Ah bah, je te jure, je suis à 70. Très beau pont. Pas Franchement. limité à 80. Non, pour moi, c'est encore limité à 70. Ouais, il y a une petite portion à 80. J'aime bien les petits trucs comme ça. C'est dès le passage. Droite, gauche, il n'y a personne. On enquille. L'avantage du multijoueur, c'est qu'on n'est pas obligé de regarder, on regarde juste la carte. On voit qu'il n'y a Ouais. pas de ville de coin qui arrive. Parce que Les quand rois c'est de l'eau la là, route. quand c'est l'eau, il sera encore. Les rois de la route font tout ce qu'ils veulent, pieds au plancher. Mais ils sont seuls dans leur cabine en haut, ils voient les paysages. Continuons. Oh, j'ai donné un petit coup de volant là. Je vais faire vraiment le drifter. Ah ouais, je sais, mais... Mais ce c'est pas le drift, c'est utile pas de du multi. Non, non, c'est moi. Non, c'est le du multi. Ah, un paysan qui travaille dans ses champs. Il a laissé sa camionnette au bord de la route. Qui travaille. Peuvent pas mettre moins 80 là.
C'est normal de rouler à 70. On s'ennuie. Ah là-bas, il y a une montgolfière. Je sais pas si tu la vois. Sur la droite de là que je suis. Ah bah super, on descend à 50. Ah bah il y a un radar. Ah, on peut remonter à 70. En vue extérieure, en voyant le petit paysage, c'est magnifique. Magnifico. Honte, je sais. Salut le radar. Salut Scania. Bon, j'allais dire il aurait pu se serrer, mais bon, c'est moi qui étais en train de me déporter sur ce bord. C'est quand je me mets en extérieur, j'avais jamais à contrôler. Non. Ouais, moi aussi. Ah, des tu travaux. Tournes. Non, il y avait des travaux. Pas moi. Ah bah pour moi j'avais des petits travaux. C'est avec la mise à jour en 31. Ouais. Et du coup c'est un mise à jour à des endroits que d'autres ne voient pas. Donc, et vu que ça déportait un petit peu, bah. Ouais, là en face. Mais quand j'ai vu qu'il y avait pas de route à suivre. Là tu vois, là je suis dans des travaux. Bah. Ah, là à droite. Ah oui, il y a des travaux. Et avant, j'avais un petit truc qui prenait un petit peu sur la route, et du coup, bah voilà. Je l'ai cotonné. Mais les petits trucs, c'est par rapport à la mise à jour. Mais ça, c'est les vrais travaux que tout le monde voit. Ah, il n'y a pas tellement de camions. Ouais, bah ça dépend, faut qu'ils ont le DLC et tout aussi. Là, si c'est pas le Scandinavia, c'est le Going East. Ouais, là c'est vrai qu'on est en DLC. Bah, là c'est sûr que tu vas à Paris, Lille, Calais, là c'est mort. Là t'as 2000 camions là-bas, c'est sûr. C'est même pour ça qu'on n'y passe pas pour le tour de l'Europe. En même temps, c'est le tour de l'Europe, c'est pas... L'intérieur. C'est pas l'intérieur. Peut-être un jour l'intérieur de la France, mais bon, ça déjà qu'on finit ce projet. Ouais, une fois qu'on aura fini ça, bah on verra. Non, le tour de la France, l'intérieur de la France. Après, il faut savoir bien se placer pour rouler. Pour passer de toutes les villes. Est-ce que là tu vois là toi aussi t'as envie d'accélérer un grand coup? Non, mais comme je sais qu'il y a des virages. Ouais, mais un peu, je sais pas, 80 au moins, pas 70. Plus quand tu vois qu'il y a personne là, j'ai envie de, j'ai envie de foncer là. Tu tournes à droite. Ouais. Et après je le rends à gauche. Ouais. Ça sert à rien de foncer parce que j'ai tourné. Alors on peut remarquer que l'éolienne qu'on va voir à ma gauche, donc un peu plus tard avec Baptiste, et bah il y a exactement les mêmes dans FF15, voire FF17, dans quelques maps. Ouais, moi aussi. C'est vrai que si c'est 10, on se laisserait. Et bon, il faut juste... Bah, en multijoueur, il n'y a pas de bagnole de flic, mais il faut juste qu'il y ait un radar bien caché et qu'on n'a pas vu le panneau.
Ouais. Et l'avantage, plus rien, il pourrait me dire qu'il s'est fait flasher. Il n'y a plus qu'à appuyer derrière. Là, ça change un peu d'être derrière, parce que bon, c'est vrai que je suis toujours devant, des fois, les distances sont assez grandes, parce que t'as des remorques qui sont assez lourdes en plus. C'est vrai que moi, en général, quand je prends des remorques, je tape pas dans le petit. J'aime bien prendre des gros trucs et tout. C'est vrai que là, c'est... rester derrière toi, en plus, ah ouais, on voit un peu de véhicule. On s'arrête au garage qu'on achète là. Bah moi j'ai livré la remorque. Tu la livres à quel entrepôt? À gauche. Oh bah trop tard. Bah, je te rejoins au garage l'intérieur. FCP. On n'a rien vu. Toujours en marche arrière. Ah, une fois c'est un nouveau... espèce de parking, je l'ai jamais fait. Ah, il y a une caravane. Là où je suis, il y a une caravane. Si tu le dis... J'ai jamais fait cette place de parking, elle a pas l'air d'être évident. Si tu sais gérer ton véhicule, tu devrais pas taper un seul conteneur de devant. Oh bah c'est au final, trop facile de placer. J'irai un peu trop vite même. Et même plus... Et c'est même plus simple que... les autres places. Ce sont 13 000 km. Non, 107 000. Ah oui, si vous avez pas vu, il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne où dans laquelle j'ai fait mes 100 000 km. Donc je sais plus, j'avais 2 km de plus ou 2 km de moins. Je sais plus trop. Mais moi, je crois. C'était pour dire que c'était 100 000 km du premier Volvo. Florian, je sais pas à combien il est rendu. Pour le je suis à 54 769 km. Mais vu que des fois je roule en solo avec ce camion, je peux monter d'un coup. Non, moi, il sert pour le solo, multijoueur. Bah, moi aussi. Sauf quand je mets des modes. Des fois. Ouais, sauf que là, en ce moment, je roule avec un petit mode. Peut-être une prochaine vie. Cette vidéo-là sortira le 15. Ouais, c'est possible qu'il y aura déjà la vidéo de sortie avec le mode. Ou peut-être qu'elle sortira la semaine juste après. Ouais, je vais me mettre par là. Je sais pas où je suis en train de reculer. Mais... dans un mur. Ouais, bah là j'ai tapé le mur. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Yo. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Salut. Salut. Par contre, t'es pas obligé de faire style écho.